Alléluia. Bonjour les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête des mères. À toutes les femmes. Voilà. Celles qui ont pu concevoir. Celles aussi qui n'ont jamais enfanté. Qui sont en train de chercher. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà. Bonne fête à toutes les mamans. Que le Seigneur veille sur vous. Que le Seigneur vous donne la longévité. Que le Seigneur vous arrose de bénédictions, de paix et de joie. Le Dieu de l'infini soit ton socle. Que tu pries beaucoup pour tes enfants, pour ta famille. C'est parce que la maman est le pilier même de la maison. Voilà, d'un foyer, c'est la maman qui est le pilier. C'est vrai, le papa donne de l'argent, mais la maman est le pilier de la famille. Parce que c'est elle qui intercède. C'est elle qui prie. C'est elle qui est, voilà, qui est là, qui veille, qui est la sentinelle. Alléluia. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est vrai. On peut donner des milliards à ses parents, à sa maman. On peut donner beaucoup d'argent, tout ce dont elle a besoin, on peut lui donner. Mais si l'enfant ne respecte pas sa maman, ça ne sert à rien de donner. Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu même lui, Dieu a dit honorer les parents. C'est vrai, ce n'est pas dans l'argent, mais c'est dans l'amour, c'est dans le faire, c'est dans l'obéissance, c'est dans la soumission, c'est dans le regard, l'amour que l'enfant apporte à sa maman. La maman oublie même les milliards. Amen. L'amour, la manière de parler, de se comporter avec sa maman. Amen. Parce que tu es sorti d'elle. Tu es sorti d'elle. Elle pouvait faire un curetage. Elle pouvait avorter. Et elle est partie accoucher au risque de sa vie. Il faut tenir ta langue en bride envers cette femme qui t'a fait du bien. Envers cette femme qui t'a conçu. Envers cette femme. C'est vrai, c'est Dieu qui a mis l'enfant dans son ventre. Mais c'est elle qui a supporté toutes ses souffrances jusqu'à l'accouchement. Là où tu es, tu as une mère. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La maman n'a pas besoin de tes milliards. La maman a besoin de ton amour. Ce qu'elle t'a apporté comme amour quand tu étais bébé, depuis la grossesse jusqu'à son accouchement, jusqu'à ce que tu deviennes comme tu l'es aujourd'hui, elle a besoin de ton amour. Elle a besoin de respect. Elle a besoin de toi. Voilà, ce n'est pas dans les milliards, comme je le dis. Voilà, les mamans, toutes les mamans ont les mêmes problèmes. Voilà, les mamans tendent la main à leurs enfants pour un grain d'amour, un brin d'amour. Elles n'ont pas besoin de tes milliards. Donc, je vais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne la connaissance, l'intelligence, que le Seigneur fasse que tu apportes l'amour qu'il faut à ta maman, à tes parents. Si ton père vit, si ta maman vit, apporte l'amour qu'il faut à tes parents. Parce que ce n'est pas la maman seulement, mais c'est les deux. Les parents ont besoin de toi. Tes parents, ton père, ta mère ont besoin de toi. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est la fête des mères. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Voilà, l'obéissance d'abord. C'est primordial. Elle n'a pas besoin de tes milliards. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit, de ton or, de tes diamants, de tes biens au fait. Mais elle a besoin de ton amour. Donc, je veux dire à chaque croyant, à tout le monde, je veux dire à tous ceux qui viennent sur Moyen TV, de dire merci à leur maman. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui avortent. Il y a beaucoup de femmes qui vont faire des curetages. Il y a beaucoup de femmes qui perdent la vie à l'accouchement. Il y a beaucoup de mamans qui souffrent. Et c'est dans cette souffrance qu'elle a pu t'avoir. Donc, fais attention. Alléluia, préserve-toi de tout mal, de tout commentaire désagréable sur sa vie. Il faut stopper ça. Regarde ta vie, prie. Tu dis, c'est grâce à cette femme-là que je suis sur terre, je suis sur la terre.
Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Voilà, c'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est notre référence. Alléluia. Que son nom soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a des versets qui parlent de ça, qui parlent de l'obéissance à ses parents. Il faut obéir à tes parents. Le Seigneur même à la croix, il a dit à Jean, il a dit de prendre soin de sa mère. Tout cela doit nous interpeller. Il a dit à Jean de prendre soin de sa mère. Et aux apôtres de prendre soin de Marie qui est sa mère. Alors pourquoi nous prions? Nous disons que nous sommes de Jésus. Nous proclamons haut et fort que nous appartenons à Jésus-Christ, que nous aimons Jésus-Christ, que nous sommes là pour lui, et nous nous comportons comme des animaux. Quand je vois des chrétiens qui se comportent comme des animaux, je dis, mais ceux-là ne lisent pas la parole. Il ne faut pas te comporter comme un animal, mais comporte-toi en vraie personne. Comporte-toi comme une personne mûre. Comporte-toi, ne te comporte pas comme un enfant. Parce que l'enfant, comme le dit, l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. L'enfant à l'état, voilà. L'enfant ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand tu es mature, agis en maturité. Agis comme une femme, un homme mature. Voilà. En cela, tu peux aller en eau profonde. En cela, quand tu vas relever la vision, le Seigneur, tu vas crier au Seigneur, il va te répondre. Alléluia. Celui qui demeure sous son abri repose à son ombre. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il y a des gens, beaucoup de gens qui payent des voitures, des maisons, tout et tout, pour des parents. Mais qui ne respectent pas leurs parents. Alors pourquoi acheter? C'est pour ça que ce verset est là pour nous tous. Alléluia. Occupez-vous de vos parents. Occupez-vous de vos papas et de vos mamans. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre moyen. Bonne fête des mères. Au revoir.